Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je conduis la nouvelle Toyota Aygo, le modèle 2019. Ça fait déjà plusieurs années que la Aygo se balade un peu partout dans nos villes. Et avec cette nouvelle génération, Toyota a décidé de conquérir les plus jeunes en leur offrant des nouvelles options. Donc aujourd'hui nous allons faire vite le tour de toutes ces nouveautés. Tout d'abord au niveau de l'extérieur, on observe directement la signature lumineuse LED qui a été changée. Ça rend le véhicule un peu plus agressif, plus moderne. Et honnêtement ça aide au niveau du design. Pour ce qui est de l'extérieur, vous pouvez voir la peinture qui est un peu spéciale. Ils offrent des options un peu plus exotiques. Vous voyez cette combinaison de noir et bleu. C'est assez sympa comparé à l'ancienne qui était très banale. Voilà, faut le dire. Celle-ci est un peu plus joyeuse et pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Il y a plein d'autres options de couleurs que vous pouvez aller voir sur leur site. Ainsi que de nouvelles jantes. Celle-ci a les 15 pouces, mais vous avez aussi d'autres options, d'autres modèles de jantes qui sont, à mon avis, un peu plus belles que celles que j'ai sur ce modèle. Maintenant passons à l'intérieur. Et bien au niveau de l'intérieur, il n'y a pas un changement dramatique. La première chose que vous voyez en rentrant dans la voiture, c'est le fait qu'elle a un volant, trois pédales et un levier de vitesse. Et honnêtement, c'est déjà pas mal. Blague à part, cette voiture est plutôt bien équipée. La Aygo a comme équipement standard toutes les options de sécurité, que ce soit le lane assist ou bien la prévention à la collision. Elle a une console centrale très épurée, ce que personnellement j'aime bien. Tout est facile d'accès, l'écran tactile, le GPS. Vous voyez très bien la caméra de recul, même si la qualité n'est pas top top. Ça peut aider, même à vrai dire la voiture n'en a pas réellement besoin. C'est pas une voiture gigantesque, c'est pas un 4x4 et c'est très facile à garer un peu partout en ville. Vous avez la connectivité Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Donc il y a vraiment pas mal d'options qui visent un public plus jeune. C'est vraiment ce qu'ils recherchent avec ces nouvelles versions, ce facelift plutôt. Et même si la finition est loin d'être luxueuse, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Enfin pour ce qui est de l'espace, le coffre est vraiment pas terrible. Donc c'est un petit coffre. Vous allez avoir la place pour quelques sacs, tout au plus. Et pour ce qui est des passagers, je crois que 4 à 5 personnes peuvent rentrer dans la voiture sans souci. Après, une personne comme moi, derrière moi, avec 1m88, c'est impossible à cause de la place au niveau des jambes. Même si au niveau de la tête, il n'y a pas de souci. Donc cette voiture est relativement pratique. Pratique surtout pour les distances courtes, avec peu de bagages. Ensuite, pour ce qui est des spécifications, eh bien, c'est le même moteur, le 1 litre 3 cylindres. Seulement que sur cette version, il développe 4 chevaux de plus. Il passe de 68 chevaux à 72. Bon, c'est pas dramatique, bien sûr, et ça n'a pas un énorme changement. Mais c'est toujours ça, pourquoi pas, on le prend. La voiture est équipée de la boîte 5 vitesses, mais vous avez également une boîte automatique qui est disponible pour ce modèle. Perso, je vois vraiment pas pourquoi on prendrait la boîte automatique, vu que la manuelle est très facile à conduire. C'est vraiment comme un petit kart, et même en ville, c'est pas du tout fatigant. Mais honnêtement, ma plus grande peur serait que la boîte automatique que je n'ai pas testée soit comme celle de la Citroën C1, etc., où vous allez attendre une demi-heure avant de partir avec une boîte robotisée qui marche vraiment pas bien, qui bug souvent. Et donc voilà, je reste manuel, j'aime bien la manuelle, elle est facile, donc pourquoi pas. Donc c'est la valeur sûre à mes yeux. Pour ce qui est de la consommation, pour l'instant je suis à une moyenne de environ 6 litres au 100, un peu moins même. Sur le modèle précédent, je l'avais conduit dans des conditions un peu plus favorables, j'étais arrivé à une moyenne de 4,5 litres au 100, ce qui est vraiment bien. Celle-ci, je suis à 6 parce que je suis tombé sur la semaine où il y a eu plein de travaux. Et le summit européen à Bruxelles, etc. Et du coup, j'ai passé mes premières heures dans la voiture en première vitesse, soit en trafic sans bouger, soit en première vitesse, parfois deuxième si j'avais la chance, ce qui a vraiment beaucoup augmenté la consommation moyenne. Je l'avais juste remise à zéro à ce moment-là, et du coup, ça a impacté tout ça. Mais je l'ai laissé parce que c'est la vie, on ne peut pas toujours conduire dans des conditions favorables. J'ai également fait un peu d'autoroute et c'est à cette moyenne que je suis arrivé au final, donc 6 litres au 100. Enfin, qu'est-ce que je pense de cette voiture? Est-ce qu'il y a un vrai changement? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter le nouveau modèle si vous avez celui de 2016, 2017, 2018? Eh bien, non, je ne trouve pas. Même s'il y a des modifications agréables, on peut le sentir au niveau de la suspension, on peut le sentir sur l'autoroute où la voiture est plus à l'aise, à des vitesses hautes passant 120-130 km/h, surtout au niveau du son, dans l'ancienne c'était catastrophique. Dans celle-ci, c'est un peu mieux. Au niveau esthétique, c'est vrai qu'il y a plus de choix, on peut la personnaliser, donc ça a un côté un peu plus attrayant. Mais pour vous dire la vérité, mécaniquement, je ne vois aucune différence. Voilà. Après, cela ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne voiture, voire même le contraire. Pour une voiture de ville, surtout pour les grandes villes comme Paris, Bruxelles, Londres, etc., Madrid, enfin ce que vous voulez, je ne vais pas vous faire un cours de géographie non plus. Je trouve que c'est une voiture très pratique parce qu'elle est petite, elle offre suffisamment d'espace, elle consomme très peu d'essence, elle demande très peu de maintien. Et vu la réputation des Toyota et le kilométrage sur les anciens modèles, j'irais même jusqu'à dire que c'est une voiture plutôt solide, voire très solide.
Au niveau des options, elle vous offre tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Ça reste une voiture très basique néanmoins, mais elle est là, elle vous permet d'aller d'un point A à un point B confortablement, avec votre musique. Pour ce qui est du prix de départ de ce nouveau modèle, il est situé dans les environs de 8000 euros ici en Belgique. Mais comme vous le savez, c'est toujours possible de négocier. Et si vous l'achetez et payez mensuellement, je sais que cette voiture est disponible à partir d'environ 70 euros par mois, ce qui n'est pas une somme extraordinaire. Donc c'est vraiment une voiture que beaucoup de gens peuvent se permettre et qui ne va pas les ruiner par après. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a un peu aidé, un peu guidé dans vos achats, dans vos connaissances automobiles entre guillemets. Et si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. C'est vraiment la meilleure façon de montrer votre support pour cette chaîne. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Ciao.